Je m'appelle Nagi, artiste peintre, et je suis rendue à 16 dons de plasma. À la base, j'avais très peur des aiguilles, puis j'ai décidé de passer par-dessus ça. Après le premier don, j'ai comme osé demander à l'infirmière « C'est-tu normal que je me sente comme flottée quand je pars d'ici? » J'y allais une fois par mois, puis j'étais curieuse de savoir c'était quoi la moyenne. Je l'ai demandé, on m'a dit 2 à 3 semaines, fait que ça m'a crinqué. Quand je pense au fait que je donne quelque chose que mon corps fabrique, qui peut sauver des vies, au final, c'est comme je reçois autant que je donne.